Le comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est un groupe de réflexion et d'expertise sur les droits de l'homme. Il a été créé par le Conseil des droits de l'homme, un organe intergouvernemental composé de représentants d'État, qui a pour mission principale d'examiner les situations de violation des droits de l'homme et d'émettre des recommandations. Le comité consultatif joue un rôle de réflexion et de laboratoire d'idées en fournissant au Conseil une expertise sur des questions thématiques. L'idée, je pense, qui gouverne la création de cette institution était d'avoir la possibilité, en dehors des moments très diplomatiques, politiques, sous pression, de limites de temps, etc., des sessions du Conseil, d'avoir la possibilité à un moment donné de prendre le temps de la réflexion. Les universitaires, les personnes qui travaillent en profondeur sur des textes, c'est quelque chose qui manque cruellement à la réflexion du Conseil. Le seul comité qui soit dans une position d'aider est justement le comité consultatif. Il assure donc un service d'expert en se concentrant essentiellement sur des études et des avis, et ce, exclusivement sur la demande du Conseil. The advisory committee is not mandated to choose its own subjects, so we are always waiting for a request given to us by the council. This is quite a big challenge for us. We've managed to, you know, initiate our various topics on human rights, but when it goes to the council, if they're not happy with it or not comfortable with the topic we're initiating, they just note it and we cannot do anything about it. Le comité est composé de 18 experts siégeant à titre individuel, respectant un certain équilibre géographique. Ce sont les États membres des Nations Unies qui peuvent proposer ou approuver la candidature de personnes originaires de leur propre région. The discussion inside the committee is very unique because from 18 experts, I think you get out of a very good recommendation for the issue of human rights. Les critères pris en compte pour la sélection des experts sont notamment les compétences dans le domaine des droits de l'homme, la haute moralité, l'indépendance et l'impartialité. C'est sûr qu'il y aura plus d'attention de la part des États si la qualité des travaux est vraiment maximale. Et pour cela, nous avons besoin vraiment aussi d'experts d'un grand niveau avec beaucoup d'expertise et des gens qui soient véritablement aussi indépendants et qui puissent aussi se pencher sur les différents dossiers en connaissance de cause. Le comité se réunit deux fois par an en session plénière, pendant 5 jours. Entre les sessions, les membres du comité préparent leurs études et rapports, et sont invités à établir des relations avec les États, les institutions nationales des droits de l'homme, les ONG et la société civile. J'ai l'impression d'avoir été entendue, parce que je pense que les questions étaient notées, qu'il va y avoir certainement une trace écrite. Et puis, j'ai été heureuse d'entendre les experts parler du rôle des ONG. Ils nous ont réexpliqué comment faire pour faire partie du processus, en fait. Les mécanismes de participation m'intéressaient aujourd'hui beaucoup plus que les thèmes. Mais j'ai été surpris de l'ouverture des membres, particulièrement vis-à-vis de la société civile, une espèce de demande de participation, d'alimentation de leurs travaux. S'agissant d'un organe de réflexion, le comité s'appuie en général sur le consensus comme mode de fonctionnement.
Cet organe n'a pas la compétence pour adopter ses propres résolutions ni ses propres décisions. Nous devons présenter les études et puis le Conseil décide ce qu'on en fait. Parfois le comité les soumet comme recommandation aux États. Parfois on les laisse oublier, on les laisse tomber, mais c'est voilà, le sort des rapports faits aux Nations Unies. Et si le Conseil adopte notre position, il se peut qu'il puisse adopter par la suite une déclaration. Ne serait-ce qu'une déclaration, c'est déjà un pas important. Ou alors un projet de convention. We made recommendations, for example, to establish new special rapporteurs, and this has been done. So, let me say, it's a kind of indirect improvement of the situation of human rights. I believe in human rights. মানবাধিকার সবার জন্য সব জায়গায় সব সময় Ich vertraue auf die Menschenrechte. انا اعضد حقوق الانسان لكل انسان حول العالم. Eu cred în drepturile lor. માણસના મૂળભૂત હકમાં વિશ્વાસ રાખું છું. સભાય મેપટુચ બેસનો આગનાલો. Je crois en les droits de l'homme. Je crois en les droits humains. I believe in human rights.